Fabrizio Donato qui a vraiment fait un concours de feu. 17,63, son premier essai, son record. Et regardez, c'est sa dernière tentative. Il avait fait l'impasse tout à l'heure. Un concours colossal. Et là, non, il ne le sent pas, mais c'est pas là l'important. L'important, c'est qu'il devient enfin champion d'Europe en extérieur. Et ça, c'est grand. Ouais, sur ce dernier saut, on voit vraiment qu'il a voulu un peu croquer dans les bons, dans les deux premiers bons. Donc voilà, il n'a pas pu terminer. Mais bon, c'est un grand champion. C'est voilà, faut à César ce qui revient à César. Il a mérité sa victoire aujourd'hui. Et voilà, donc félicitations à lui. Félicitations à Chérif aussi qui a réalisé un très gros saut alors qu'il n'était pas forcément dans de bonnes conditions en qualification. Mais j'étais pour Chérif. Ouais. Voilà, j'étais pour Chérif, mais je savais que... Oui, mais vous nous aviez dit... C'est Donato qui va gagner. Voilà, en fait, c'était la raison. Et coup de chapeau aussi à Tsapik. Alors, bien sûr, oui, on félicite l'entraîneur. Ça, c'est bien aussi. Regardez, Donato. Et je vais te demander, Teddy, avant de te libérer et de te remercier d'avoir été des nôtres, ton pronostic pour les Jeux, qu'est-ce qui sera champion olympique? Ça va être difficile parce que je connais pas la santé d'Aïdou. Son état de santé, je ne le connais pas. Ouais. Donc, faut voir. Maintenant, Taylor paraît le plus en forme. L'Américain. Cependant, attention à Will Clay. Attention à Will Clay. En tout cas, moi, personnellement, je suis pour la France, donc je suis pour Benjamin Compaoré. Mais les Américains vont être très forts. Vont être très forts et je pense que c'est Clay qui va gagner. Ouais, je pense que c'est Clay. Voilà, qui va gagner. On s'en souviendra à Londres, messieurs. Teddy nous a prédit. Clay, en tout cas, Teddy, ça nous a fait vraiment plaisir. Et le silence radio, ça sert à rien. Reste là, reste comme t'es maintenant. Reste comme t'es maintenant. Franchement, c'était un bonheur. C'était un bonheur. Merci à Teddy Tamgo de nous avoir rejoints pour ce concours du triple saut. Ça nous a fait chaud au cœur. Merci beaucoup.